Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait. Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle! Ma jambe! Silence! Les Templiers vont nous entendre. Je vais rester avec lui. Tu vas devoir continuer sans nous. Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. Réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance. Que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hachichiyun, nous ne sommes rien. Ces trois règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi. Mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. Troisième et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix.
La paix soit sur toi, Altaïr. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore une heure ou deux. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Je n'apprécie pas du tout que vous remettiez en question mon autorité devant le prisonnier. Cette façon d'agir porte un nom. C'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de le tuer alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Voulez-vous finir comme Leila ? Depuis l'accident, on est tous un peu à cran. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirerons déjà rien. Mais nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Déjà qu'on va devoir recharger tous ses souvenirs sans intérêt. Je ferai de mon mieux. C'est pas possible, je peux même pas me changer. C'est terminé pour aujourd'hui, Monsieur Miles. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu. Alors tu es un vrai assassin, comme Altaïr ? Oui et non. C'est-à-dire ? J'étais destiné à le devenir, mais j'ai fugué. J'ai quitté la ferme à l'âge de 16 ans. La ferme ? Ouais, c'est là-bas que j'ai grandi. Ça ressemble à Massiaf, je crois. En moins effrayant, peut-être. C'était une petite communauté perdue au milieu de nulle part. On était une trentaine. On vivait en marge. Pourquoi ?
Mes parents étaient deux hippies un peu tarés et très attachés à la notion d'humanité. Mon père rabâchait son discours sur nos ennemis. Il nous cherchait, on devait se préparer au pire. Mais personne n'est jamais venu nous menacer. Il ne s'est jamais rien passé. Pourquoi tu t'es enfui ? On ne me laissait jamais sortir. Tu n'imagines pas ce que c'est de se retrouver enfermé, tout en sachant que le monde est là, dehors, à t'attendre. Tes parents ne te manquent pas ? Non. Et puis je ne les ai jamais considérés comme mes parents. Ils étaient mes gardiens et moi leurs prisonniers. À t'entendre, ils voulaient seulement te protéger. Avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ils avaient sûrement raison. Désolé, je ne voulais pas déterrer le passé. C'est rien. Au moins, ça me change les idées. Tu devrais te reposer un peu. C'est une longue journée qui nous attend demain. Je peux te poser une question avant d'y aller ? Bien sûr. Comment ils m'ont trouvé ? Je comprends pas. J'ai pas été en contact avec un seul assassin depuis plus de 10 ans. Tu as utilisé ton vrai nom ? Non. Pas jusqu'à ce jour. Ta carte de crédit ? J'en ai pas. Ton téléphone ? Pour appeler qui ? Un permis de conduire ? J'ai une moto. C'est mon seul vice. Ne cherche pas plus loin. La photo, les empreintes. Abstergo est un groupe pharmaceutique. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ces informations ? Desmond, dis-toi qu'ils sont partout. Ils... Je suis désolée. Je ne peux rien dire de plus. Tu n'es pas fatigué ? C'est pas vrai, ils ont verrouillé la porte. Fâchez pas, mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux. Vous m'épiez pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain sur la planche. Je me demande qui je vais tuer aujourd'hui. Ne soyez pas si désinvolte. Vos ancêtres défendaient des valeurs quasi respectables, Monsieur Miles. Si la mort de quelques hommes malveillants pouvait sauver des milliers de vies, ils considéraient que ce sacrifice en valait la peine. Quasi respectable ? Ils ne sont pas allés assez loin. La corruption n'est pas différente d'un cancer. Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation. La rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile. Et parfois, ça ne prend pas. Laissez-moi deviner. Vous, vous avez une meilleure solution, pas vrai ? Allez, crachez le morceau. Ce serait trahir un secret. Tu veux bien t'installer dans l'Animus ? Allez-vous le charger, ce souvenir ? S'il est...
les porteurs font tomber leur jarre à cause de vous, vous risquez de vous faire repérer. Je suis vivant. Mais vous m'avez poignardé. J'ai senti la mort m'emporter. Tu as vu ce que je voulais que tu voies. Et tu as été plongé dans une léthargie proche de la mort. Pour qu'à ton réveil, tu sortes du néant et vives à nouveau. Dans quel but ? Te souviens-tu, Altaïr, pourquoi les Hachichiyun se battent ? Pour la paix, en toute chose. Oui, en toute chose. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin aux violences entre les hommes, mais aussi de trouver la paix intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui est. Mais toi, mon fils, tu n'as pas trouvé la paix intérieure. Ton arrogance et ta vanité en sont des témoins évidents. Pourtant, n'est-ce pas vous qui disiez que rien n'est vrai et que tout est permis ? Tu ne comprends pas le sens de cette phrase, mon enfant. Cela ne t'autorise pas à te comporter comme tu l'entends. Nous parlons d'un savoir qui doit guider tes sens et d'une sagesse qui te fait encore défaut. Alors, que vais-je devenir ? Je devrais te tuer pour tout le mal que tu nous as fait. Malik ne me contredirait pas. Ta vie en échange de celle de son frère. Mais ce serait du temps perdu, tu vaux mieux que cela. Comme tu le remarqueras bientôt, tes biens t'ont été enlevés et tu as été déchu de ton rang. Tu es redevenu un novice, un enfant, comme le jour où tu as rejoint notre ordre. Je t'offre une chance de te racheter, de te battre pour réintégrer la fraternité. Et qu'avez-vous prévu exactement ? Pour commencer, prouve-moi que tu n'as pas oublié ce qu'est la fraternité. Vous voulez que je tue quelqu'un ? Non, pas encore. Dans l'immédiat, tu vas suivre la formation d'un apprenti. Tout cela est inutile. Tu étais un maître. D'autres traquaient les cibles pour toi, c'est fini. Désormais, tu devras les trouver toi-même. Si c'est ce que vous voulez. En effet. Alors dites-moi ce que je dois faire. Nous avons été trahis. L'un des nôtres a aidé Robert de Sablé. Trouve-le. Et conduis-le devant moi pour que je l'interroge. Que savez-vous de ce traître ? Oh, mais rien de plus. Tu en sais autant que moi. Le reste, tu devras le découvrir. Bousculer quelqu'un. Paix et sérénité, Altaïr. Tu m'empêches de passer. Oui, Al-Mualim m'a demandé de t'assister, de te rappeler comment on chasse une proie. Je sais comment on fait. Quoi qu'il en soit, je m'en voudrais de lui désobéir. Alors fais vite. Les Hachichiyun ont plusieurs moyens d'arriver à leur fin. Oui, oui. Nous pouvons écouter les conversations, voler ou intimider quelqu'un par la violence. Bien, tu ne l'as pas oublié. Tu voudrais que je me mêle à la foule et que j'obtienne des informations sur ce traître. C'est ça. Commence par le marché du village. C'est là qu'il a été vu pour la première fois. Tu sais donc qui il est ? C'est possible. Eh bien, donne-moi un nom, qu'on en finisse. Ce n'est pas comme cela qu'on procède. Va, et n'oublie pas. Commence tes recherches au marché du village. Mais qu'est-ce qu'il a ? Je me demande ce qu'il prépare. On dirait qu'il est poursuivi par quelqu'un. Mais où est-ce qu'il file comme ça ? On dirait qu'il a le diable à ses trousses. Vous pourriez faire attention. Où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il faut comme ça ? Ah ! Eh bien, il n'a pas. Pourquoi est-ce qu'il est. You
Je sais ce que j'ai vu. Massoun a ouvert la porte. Il a laissé entrer les Templiers. Tu dois en parler à Al-Mualim. C'est trop tôt. Massoun n'a pas agi seul. Il avait un complice dans la forteresse. Comment peux-tu en être sûr? Il échange des messages avec quelqu'un, à l'intérieur. Le Vanier sert d'intermédiaire. Ce n'est pas une raison pour ne rien dire. Ah, et le Vanier lui a remis un message juste avant l'attaque. Je suis sûr qu'il lui a ordonné l'ouverture de la porte. Alors interroge le Vanier. Il connaît l'identité du complice. Il a disparu. Il se cache de peur d'être mêlé à tout cela. Ouais, peut-être dans un de ses propres paniers. Qu'est-ce qu'il a à fuir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il court comme ça? Alors, je me demande ce qu'il prépare. Vous croyez qu'il est poursuivi? Mais où est-ce qu'il file comme ça? Pitié! Juste un! Nous avons tout perdu dans l'attaque! Nous ne pouvons plus entreposer notre grain! Je... pas maintenant. Je suis occupé. Ce message vous inquiète? Quel message? Celui que vous avez reçu à mon arrivée. De mauvaises nouvelles? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire, mais s'il vous plaît, dans l'immédiat, laissez-moi. Revenez plus tard. Comme vous voulez. Je vois bien comment vous me regardez. J'écoute vos conversations. Un traître, moi? Non, pas un traître. C'est Al-Mualim qui nous a trahis. L'attaque d'aujourd'hui sera suivie de beaucoup d'autres si vous ne vous repentez pas. Renoncez à cette vie. Soulevez-vous contre le fou de Masyaf. Assez de mensonges. Parlez vite. Tes petits jeux ne m'intéressent pas. Pourquoi nous as-tu trahis? Et qui sers-tu? Nous servons les Templiers. Rejoins-nous. C'est une noble cause. Nous? Il y a un maître. Il s'appelle Jamal. C'est lui qui m'a exposé leur plan et demandé d'ouvrir la porte. Tu nous as trahis. Nous qui te considérions comme un frère, qui te protégions du mal. J'ai fait ce que j'estimais juste. Si tu dois me tuer pour cela, alors fais-le. Je n'ai pas peur de mourir. Ce n'est pas moi qui déciderai de ton sort. Al-Mualim sera le seul juge.
Avance rapide vers une séquence plus récente. Tu es accusé d'avoir trahi notre fraternité et d'avoir permis à l'ennemi d'arriver jusqu'à nous. Qu'as-tu à dire pour ta défense ? Tout cela est vrai. Je suis fier de ce que j'ai fait. Mon seul regret est d'avoir échoué. Je t'offre une chance de te racheter. Renonce au mal qui est dans ton cœur. Il n'y a rien d'autre dans mon cœur que la vérité. Je ne me repentirai pas. Alors tu mourras. Ah ! Oh ! Je te félicite, Altaïr. Tu as gagné le droit de porter une épée. Et celui qui l'a aidé, que va-t-il devenir ? Cela reste à voir. Certains font le mal par ignorance ou par peur. Ces hommes peuvent être sauvés. D'autres ont vu leur volonté se corrompre, leur esprit se pervertir. Ceux-là, il faut les détruire. Nous saurons bientôt quelle sorte d'homme est Jamal. J'ai réussi la première épreuve. Et maintenant ? Oh, mon enfant. Mais cela ne fait que commencer. J'ai ici une liste. 9 noms y figurent. 9 hommes qui doivent mourir. Ce sont de vrais fléaux, des partisans de la guerre. Leur influence menace de pervertir cette terre. À cause d'eux, la croisade continue. Trouve-les et tue-les. C'est de cette façon que tu sèmeras les graines de la paix, pour notre terre et pour toi-même. Ta rédemption est à ce prix. 9 vies en échange de la mienne. C'est une offre très généreuse. Que veux-tu savoir d'autre ? Juste où je dois commencer. Très bien. Va à Damas. Cherche un marchand clandestin du nom de Tamir. Qu'il soit le premier à payer. N'oublie pas d'aller voir le chef de cellule de la ville à ton arrivée. Je vais envoyer un oiseau pour informer le Rafik de ton arrivée. Parle-lui. Il a beaucoup de choses à t'apprendre. Si vous pensez que c'est mieux ainsi. Je le pense. De plus, tu ne peux commencer ta mission sans son accord. Je n'ai pas besoin de sa permission. Pourquoi procéder ainsi ? C'est une perte de temps. C'est le prix à payer pour tes erreurs passées. Tu dois répondre de tes actes, devant moi, mais aussi devant la fraternité. Je m'incline. Prends ton équipement et va. Prouve que tu es encore l'un des nôtres. Altaïr, il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire.